droit. Gauche. Non. Ouais. Non, deux fois. Et regarde ce qui est marqué en dessous. Ah, c'était là, oui. Quand tu vas cliquer juste ouais, dans l'icône en tant que telle. Ici, ça ne marche pas. Oui, ça marche aussi. Tu vois, c'est marqué télécharger ici. On l'enregistre pour qu'il soit accessible lorsqu'on va vouloir le téléverser sur le site où tu en auras besoin. Okay, on va l'enregistrer. Pour te montrer où est-ce qu'on l'a enregistré, on a fait exprès de l'enregistrer sur le bureau. Le bureau, comme tu peux... Ah, oui. Ça peut être ça, mais c'est... La surface ici qu'on voit, donc qui est visible. Tu vois, la corbeille est sur le bureau. Tu as d'autres éléments ici qui pourraient être accessibles. Alors, temporairement, on va réduire l'interface ici. Oui, c'est le fun. Il y a bien des choses que tu sais. Et tu vois, il a été téléchargé ici. OK? OK. Donc, tu l'as enregistré sur le bureau. On va aller vérifier. Tu peux réduire ta fenêtre toujours avec la petite icône. Ouais, super. Et regarde, il y a un nouveau document ici. Même principe. Okay. Mais alors, quand ouais. C'est en PDF, il est rouge? C'est juste l'icône qui change. Ils ont choisi des icônes différentes, c'est tout. Ça, c'est un fichier Word. Ça, c'est trois types de documents qui s'appellent PDF. Puis, il y en a un qui est Word. C'est juste des types de documents différents. DOT, c'est ça? DOC. DOC. Ouais. C'est ça, ça te donne ça à chaque fois? Ouais. Ah, OK. Moi, la meilleure image que je pourrais donner, c'est que, évidemment, que c'est comme si j'avais raté le train, mais sauf que je n'ai pas l'impression d'avoir été incité non plus à monter dans le train. Ça dépend du cheminement professionnel de chacun ou simplement de sa vie. Je n'ai pas eu besoin de l'ordinateur. Disons, aux alentours des années 2000, parce que c'était pas encore une obligation. Et c'est ça. Je dis, j'ai pas pris le train en marche. Alors petit à petit, l'informatique a pris de l'expansion dans la vie de tous les jours. Puis moi, j'étais indifférent à ça. Ça fait qu'aujourd'hui, ben, je me sens comme... souvent, je dis ça comme un illettré, quoi. C'est quasiment ça. C'est un illettré de l'informatique. C'est que ça devient tellement partout. Ouais. Nicolas, tu donnais l'exemple de l'éco-quartier à la réception. Relation avec les gens, pas de problème. Mais dans mes temps libres, je devrais mettre à jour le site internet. Le site internet. Autrement dit, c'était un service à la clientèle. Tu t'embauchais pour un service à la clientèle, chose que je suis capable de faire. Mais de temps en temps, il fallait faire de l'informatique pour mettre à jour leur site, chose que je ne peux pas faire. Alors, il y a une contradiction. Oui. Donc, ça t'a bloqué. C'est dans les temps. Ah, ben oui, je n'ai même pas été appliqué. Donc, tu vois, on a un bel exemple d'exclusion à cause de ça. Alors, une tâche connexe. De plus en plus, c'est intégré dans tous les jobs. Il faut que tu puisses faire ci, ça, ça. Ce qui est décourageant, c'est cette nouvelle façon de chercher un emploi. Et c'est là qu'intervient la fracture numérique, c'est là qu'intervient le clash, j'ai envie de dire, entre ma réalité d'avant et puis la nouvelle réalité. Je travaillais comme marin sur des bateaux, des voiliers. Ben là, tu sais, il suffit de... Mais c'est sûr que c'était pas hier, ça, mais pour trouver un emploi, ben, il suffisait que j'aille d'un bateau à l'autre et demander s'ils avaient besoin de quelqu'un. Et après, on discutait de la chose. Mais aujourd'hui, on me demande, si je veux trouver un emploi, on me demande de passer par l'informatique. Mais il faut qu'on te donne la chance de faire cet apprentissage. Et alors, vu que l'informatique est déjà assez vieux, on présume que tout le monde est capable de le faire. Consultez les offres d'emploi. Veuillez prendre en note que la seule et unique façon de postuler un emploi est de remplir une demande d'emploi en ligne. Ah tiens, ça vient de répondre à quelque chose. Tu ne peux pas le faire par la poste. Et tu ne peux pas le faire par télécopieur. Et ça précise même, toute demande d'emploi soumise autrement ne sera pas considérée. Mais pas plus clair. Alors, regarde. C'est étrange parce que j'ai l'impression que... Moi, je vois deux endroits où tu pourrais cliquer. Pour chercher. Oui. Tu as consulté les offres d'emploi qui apparaît en haut. Oui. Si. Puis tu en as un autre qui s'appelle consulter les offres.
C'est toute l'information, mais ça ne... Écoute, on va retourner dans consulter les offres d'emploi. Mais c'est ce qu'on vient de faire, alors je suis un peu mélangé. Ce que je veux maintenant, c'est comment on fait pour insérer mon CV. Écoute, on va retourner dans le... On va essayer de voir de nouveau si on peut repérer l'annonce qu'on a fait. Si. Consulter les offres d'emploi. Ah, page introuvable. Alors là, ok. J'étais Lise Dion, elle a compris pourquoi elle s'appelait Windows. T'as entendu ça, là? Parce qu'après 5 minutes, j'avais envie de la mettre par la fenêtre. C'est ça. En mars 2013, c'est le début des rencontres de ces participants qu'on a décidé d'appeler Informatique pour tous. Le groupe comprend à peu près une dizaine de personnes et se rencontre une fois par mois. Moi, j'étais venu prendre des cours ici, jusqu'à ce qu'on m'apprenne que le programme était suspendu, faute d'argent, quoi, autrement dit de subvention. Alors on s'est dit, moi personnellement, je ne voulais pas que ça s'arrête, pour moi, puis pour aussi tous les autres. Donc on essaye de faire en sorte que convaincre les bonnes personnes pour que ça continue. Donc ce groupe-là s'est formé, un, pour trouver des alternatives aux formations informatiques, puis aussi parce que c'est un peu pour exprimer la nécessité d'avoir des formations. C'est pour ça qu'on fait circuler une pétition, tout ça pour que le gouvernement comprenne que les citoyens ont besoin de formation parce que ça devient incontournable. Ce qu'on revendique, c'est que le gouvernement du Québec se dote d'un plan pour lutter contre la fracture numérique. Considérant que des personnes qui ont un salaire, par exemple, inférieur à 20 000 $, il y a encore 60 % des ménages qui ne sont pas connectés à Internet. Il y a environ 70 % des gens qui n'ont pas obtenu un diplôme d'études secondaires qui n'ont pas de connexion Internet. Donc, nous, ce qu'on veut dire au gouvernement, c'est que maintenant, on se pose souvent la question, maintenant qu'on a le numérique, qu'est-ce qu'on fait avec? Et nous, ce qu'on veut que le gouvernement se pose comme question, c'est pour ceux qui ne l'ont pas, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas vrai que tout le monde... choisit exactement sa situation. Moi, l'informatique, j'en avais pas besoin. C'est pour ça que je l'ai pas appris. C'est pas parce que j'ai pas voulu. C'est pas parce que je suis plus stupide. C'est parce que j'en avais pas besoin. Et puis, en plus, il y a un facteur aussi aggravant avec l'informatique, c'est que ça évolue d'une façon tellement rapide, là, que même ceux qui sont dedans, ils sont tout le temps en train d'essayer d'apprendre autre chose de nouveau. Donc c'est encore plus flagrant quand du jour au lendemain, tu dois apprendre 20 ans d'expérience d'informatique. T'sais? C'est ça, donc ce n'est pas une situation vraiment que j'ai voulu, mais c'est la même chose que d'être sur l'aide sociale. T'sais? Il y a plusieurs raisons qui font que je suis là. Et je ne veux pas qu'on dise que c'est un choix. T'sais? Parce que ce n'est pas un choix. Ici, c'est écrit, nous réclamons que le gouvernement s'engage à rendre l'informatique accessible pour tous. Mais c'est pas recevable parce que le gouvernement va dire « Oui, mais comment vous voulez qu'on s'engage? » Donc là, il faut dire « Nous, sous-signés, revendiquons un programme de formation provinciale qui est continu. Il faut que ça soit plus précis. » Donc là, ce qui se pose comme choix, c'est qu'on a en ce moment une pétition avec plusieurs signatures qu'on peut déposer auprès du député ou sinon, on recommence à zéro avec une pétition qui respecte les règlements de l'Assemblée nationale. Mais on recommence à zéro, ça veut dire qu'on perd les signatures qui ont été faites. Si on appelle tous ces noms-là, c'est mieux de continuer sur le même. Celle-là? Moi, je ne comprends pas la différence entre les deux formes de soumission, soit les députés, soit l'Assemblée nationale. Quelle est la... Dans le fond, la différence, c'est ça. C'est que s'il y a des discussions sur les formations en informatique et tout ça, la députée, si on dépose par exemple à Carole Poirier, elle a le droit de dire, ben là, en ce moment, là, il y a une pétition qui circule, on est rendu à 600 personnes. Donc, elle peut utiliser ça dans son... pour faire pression. Sauf que si on dépose à l'Assemblée nationale, là, on fait pas juste pression, on force les députés à étudier ce dossier-là. Moi, je propose d'aller pour l'Assemblée carrément. Oui. Parce que je pense que ça va forcer le gouvernement. C'est plus pesant, je peux dire. Oui. Assemblée nationale? Assemblée? Et pour conclure, les actions qu'on désire porter, on continue avec la pétition, la campagne des lettres, qu'on considère très importante,
aux députés, et une assemblée publique citoyenne en mars. Moi, la plus grande difficulté que j'ai eue, finalement, c'était de trouver où prendre des cours d'informatique sans qu'on présume que j'ai une base déjà bien établie et puis que je veuille apprendre des choses super sophistiquées. Non, c'est pas un cours comme ça qu'il me fallait. C'était vraiment un cours de base. Pour arriver à avoir l'information, comment on fait ? Aujourd'hui, si on voit quelque chose et on veut apprendre sur cette chose-là, quelle qu'elle soit, que ce soit un mot qu'on ne connaît pas, une personne qu'on ne connaît pas, qu'on veut connaître, je veux dire un écrivain ou quoi que ce soit, quelle que soit la chose, on peut aller sur Internet, on tape le mot-clé et puis on va arriver. Mais justement, c'est ça le problème. C'est parce que moi, je ne pouvais pas aller sur Internet en disant « je cherche un cours d'Internet ». Il y a comme... ça ne marche pas, là. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'était assez difficile. J'avais demandé au centre d'emploi et au début, mais je n'avais pas de réponse. J'en ai eu un peu plus tard. Mais là, c'était quand même via le centre d'emploi, mais c'était plutôt une personne en orientation professionnelle que j'avais vue, qui m'a donné en fait 3 numéros de téléphone, et juste pour dire, les 2 premiers, ils étaient déjà plus valables. Aujourd'hui, sans l'informatique, il n'y a pas de solution de rechange. C'est ça ou rien du tout. Il n'y a pas d'alternative. Vous éprouvez des difficultés à nous joindre? Nous vous suggérons de prendre la voie rapide en consultant notre site web à l'adresse suivante. www.afe.gouv.qc.ca. Je ne suis pas contre la technologie. Ce que je dis, c'est que la technologie de l'informatique est envahissante. Elle est suffocante. Et c'est ça le problème. Parce que si je pouvais en rester à simplement aller sur YouTube pour regarder de la musique, envoyer des emails à la place des lettres, je pourrais me contenter de ça. Mais quand j'en viens à un moment où pour trouver un emploi, il faut absolument passer par l'informatique, et c'est écrit en noir sur blanc dans les sites des employeurs, et je trouve qu'il y a un manque pas seulement de respect, mais aussi d'ouverture. En ce moment, avec tout ce qui est informatique, électronique, là, il faut qu'on l'utilise un peu comme une voiture. Une voiture, finalement, on l'utilise, on ne vit pas avec, on ne dort pas avec. On l'utilise et puis pour agrémenter notre vie, c'est ça. Mais elle n'est pas omniprésente, en tout cas pour la plupart d'entre nous, elle n'est pas omniprésente dans notre vie. Ce que je reproche, c'est l'informatique. On peut avoir le téléphone jusque dans sa chambre, jusque dans les toilettes, jusque dans l'autobus, jusque dans les cours de classe, partout. Est-ce qu'on fixe une prochaine rencontre? Oui. Je proposerais dans la semaine du 20-26. Est-ce que le mercredi, tout le monde, ça vous va le mercredi? Oui, c'est bon. 13h30 alors. C'est ça? Ouais. J'aimerais amener un point de vue critique sur la technologie. Parce qu'il faut comprendre que la technologie n'a pas que des avantages. Ouais. Et a beaucoup d'impact sur nous en tant que psychologiquement ou sur notre environnement. Alors, je ne sais pas comment est-ce que on pourrait arrimer ça. Est-ce qu'il y a arrimage possible aussi? Jean-Marc, ça pourrait être intégré ça dans les... On a parlé d'un module de formation. Moi, je pense que dans le module de formation, il ne faut pas faire que de l'acquisition de connaissances permettant d'utiliser la technologie, mais il faut les mettre en garde sur les aspects ergonomiques. Parce que moi, j'ai parlé à des neurologues, j'ai parlé à des massothérapeutes, et il y a de plus en plus de jeunes qui arrivent avec des problèmes. Il y a les virus, il y a la fraude, le phishing et tout, donc il faut les informer de ça pour qu'il y ait une mise en garde et qu'ils soient protégés dès le départ, qu'ils soient conscients, sensibilisés à ça. On parle toujours de la technologie directe. Mais c'est des impacts négatifs, ça, de la technologie. Oui, mais moi je parle du fait que
juste le fait d'utiliser la technologie avant qu'on se fasse avoir dans le phishing ou quelque chose comme ça, tu vois. Mm. Je comprends exactement ce que tu veux dire, puis ça, c'est qu'il faut faire attention. Ça, quand on dit lutter contre la fracture numérique, on veut pas promouvoir le tout numérique. C'est ça, faire la limite. Et ça va être très difficile à tracer, mais il faut le tracer. Est-ce qu'il y a juste des bienfaits à vouloir réduire la fracture numérique? Donc, il y a plusieurs questions qui sous-tendent ça. Il va falloir tracer la limite. Et c'est pourquoi aussi qu'il y a beaucoup d'organismes qui sont réticents par rapport à cette bataille-là. Quand on se rend compte que les gens passent, je ne sais pas combien de temps par jour, qui est effarant, j'arrive pas. Je pense que c'est 3 heures par jour en moyenne. Puis ce chiffre-là me paraît complètement absurde, alors je n'ose même pas le dire. Et je suis sûr que maintenant, on dérive vers l'ordinateur. Mon Dieu, il y a tellement de choses à découvrir en 3 heures par jour. Mais toi, tu parles combien de temps? Oh, bonne question. Ça se peut que des fois j'en passe seul. On va prendre d'abord cet aspect-là. Ça se peut que je peux passer jusqu'à 5 heures par jour, mais je pense 6-7 heures, mais des fois probablement 7 facilement. Tous les jours, je pense qu'au bout de 2-3 jours, si je n'ai pas mis le nez dehors, je commence à me sentir mal. Je m'aperçois que je suis pas mal dépendant de la technologie quelque part. Dépendant de cette espèce d'atmosphère dans laquelle on se plonge. Je rêve de pouvoir faire des expériences actuellement où je vais faire une expérience de survie en forêt. Ne serait-ce que faire une espèce de retraite pendant 10 jours à l'extérieur, pouvoir juste retrouver son animal en soi. On n'a pas à rejeter le fait qu'on est pensant, mais au moins de se retrouver confronté au biophysique, au réel. C'est le jardin de Chine et le jardin japonais. Là, on peut rentrer. Wouhou. Ça m'arrive des fois à venir 3 fois par jour, mais souvent 2 fois par jour. Je pense que oui, on pourrait s'en sortir sans technologie. Sans technologie numérique, les ordinateurs, les tablettes et même la téléphonie quelque part. Je pense qu'on aurait une très grande richesse à redécouvrir sa communauté très locale ou à rebâtir une communauté locale. Il va falloir que ça soit clair que quand on lutte contre la fracture numérique, c'est-à-dire, est-ce que je maîtrise l'informatique assez pour satisfaire mes besoins fondamentaux? Mais pour moi, un besoin fondamental, c'est pas... On a des nécessités pour pouvoir se débrouiller dans notre société qui implique la technologie. C'est ça. Mais est-ce que c'est un besoin au sens de pyramide de Maslow, là? Ce dilemme-là et ce débat-là commence à partir du moment que tu as le choix le choix de choisir l'informatique, les technologies ou pas. Mais il faut que tu ailles le choix. De mon point de vue personnel, quelqu'un qui ne maîtrise pas l'informatique, qui peut pas, qui ça lui permet pas de fonctionner de manière numérique, qui doit toujours fonctionner par papier, ça devient un handicap. Mais cette personne-là, à partir du moment qu'elle a le choix et qu'elle choisit tous les autres alternatives au numérique, c'est déchirant pour moi d'être dans un monde où je veux apprendre à me passer la technologie, de réduire une dépendance, en même temps savoir qu'il y a des gens qui sont dans le trouble, je dirais, quelque part, peut-être psychologique ou dans une exclusion. Pour eux, ont du mal à trouver leur place, ils se sentent un peu à l'écart, ils n'ont peut-être pas beaucoup de joie dans la vie. De les aider à pouvoir au moins avoir cet aspect-là, qu'ils peuvent reprendre le contrôle sur quelque chose. C'est déchirant.